Bonjour à tous, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter mon coup de cœur du moment, le livre des Baltimore de Joël Dicker. Donc c'est un jeune auteur suisse et le livre est sorti en septembre 2015. Donc c'est un roman que j'ai vraiment trouvé puissant et haletant du début à la fin, dont le héros s'appelle Marcus Goldman, un personnage très touchant qui ne vous laissera pas indifférent. Donc en fait l'histoire c'est Marcus, donc un jeune auteur à succès qui quitte New York, le froid de New York, pour s'installer au chaud en Floride. Et dans sa nouvelle demeure, en fait, il s'attelle à l'écriture de son prochain roman, dans lequel il décide de nous raconter l'histoire de sa famille, notamment la relation de complicité qu'il entretient avec ses deux cousins, Woody et Hillel. Ce sont ses deux cousins de Baltimore, issus de la branche huppée de la famille, qui vivent dans une demeure somptueuse et qui ont toujours fasciné Marcus. On est vraiment embarqué dans une aventure qui touche à l'histoire profonde de sa famille, à sa jeunesse, avec malgré tout un dénouement dramatique. En effet, dès le début du roman, on sait qu'un événement effroyable, un drame va arriver, un événement qui va marquer Marcus à jamais. On plonge en fait dans les souvenirs de Marcus sous forme de flashback jusqu'au jour du drame. Et donc on sent que peu à peu, l'ambiance, elle se fait plus pesante. C'est vraiment écrit à la manière d'un roman à suspense. Sinon, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle histoire de famille, pleine de membres soudés. Ils sont sensibles, attachants. L'oncle Saul, la tante Anita. J'ai vraiment trouvé la lecture de ce roman passionnante et prenante. Donc, bien sûr, c'est un livre qui est à retrouver au catalogue de la NDHM, que vous pouvez réserver dès maintenant. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau coup de cœur.